Moi là. Non, mais vous voulez dire un bail sur ça? Pour vous, vous qui demandez la parole. Là, ah, c'est de les refuser la parole. Ok. Non, pas refuser. Non, je connais, oui, ok. Ça me dit de l'eau à bête. Première fois, moi, ça, dans toute histoire, Stanley n'a ramassé. Pour vous, la parole, il dit, c'est de l'eau à l'eau, toujours. Ok. Mais espère que vous êtes gentil, qu'on s'en net allé. Ok. Bon, mettez allez un mot. Ah, vas-y. Bon, je pense que Stanley, logiquement, quand vous arrivez, vous mettez à foncer, là, vous n'avez pas gagné en 4 ans. D'ailleurs, on a entendu l'introduction de Stanley. Stanley, oui, c'est pas le vent de pas entendre. Non, mais qui ça? Avec des faux chiffres de bagages. Bah, tu vas le faire. Bon, Stanley, pourquoi parler, parler pour le mais ça, c'est important. Il y a un problème. Moi, je suis d'accord, les considérations techniques, politiques, que l'économiste Fridjian s'en fait. Mais il y a un problème, d'accord. Mais il y a ceci. Le nègre a volé tout l'argent économiste, 4,2 milliards de dollars, c'était l'argent gaz là où t'as volé. Le peuple n'a pas de bénéficier à rien. Les man pétro-caribéens étaient là, dans la fond considération d'autres politiques. L'économie, on ne va pas l'entrer dans la fait pas. Mais d'autres politiques, il y a un problème. Ces 4,2 milliards de dollars qui ont été dilapidés et fonds à eux, ils ont été sortis dans l'argent pétro-caribéen. Le peuple n'a pas de ni gaz à bas prix. Il n'y a pas de joindre manger, il n'y a pas de joindre l'école, il n'y a pas de joindre rien. Il y a ceci. Mais quel problème? Pas de citoyens là qui ne peuvent pas honnêtes, qui ne peuvent pas dire que le pays a effondré. Est-ce que c'est gaz qui peut monter? Et c'est pas là. Mais moi, le problème, nous pas qu'à accepter le gaz la montée. Pour une raison simple. Un, mauvaise gestion gouvernement, c'est lui qui mettait là. Il y a un accord avec la population qui est clair. Les gaz la montée, il y a monté. Les gaz la descendent sur le marché international, la descendent. Ça n'a pas jamais arrivé un jour. Nous avons un gouvernement ça qui vient de dire. Alors, elle montée, non. Niveau, au moins 5%. Mais ça n'a pas jamais arrivé un jour. Nous disons, mais elle descend dans le niveau, nous n'avons pas allé à. N'a foutu descendre. Ça va me faire. Mais il y a un point important. Si c'est pour le gouvernement voler à ça, c'est criminel, j'en lié à. On regarde les négociations qu'on a là sous frontière, qu'on a perdu près de 450 à 500 millions de dollars. Que l'économiste Fidjian nous a parlé plusieurs fois sous perte qu'a fait dans le contrebande. Si les négociations mettaient l'ordre dans le contrebande, ça t'a qu'à permettre qu'on entre l'argent, ça. Oui, avec. Une information sur ça. Oui, avec plaisir. Non, 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 pas sous frontière. Dans contrebande, non, en général. Non, non, non. La douane. Là, pour au prince. Voilà. 500 millions de dollars par an. Là, la frontière sont l'autre bagaille. On prend là dans la douane 500 millions. Alors, imaginez que l'autre te mette dans la question. Et qui monde qui prend eux? C'est pouvoir encore. Parce que c'est monde qui a financé pouvoir qui met directeur douane, qui met directeur APN, et c'est ensemble pouvoir qui volait toute l'argent. Comment qu'on y a là dans la douane 500 millions? Sans compter volume, ça a perdu dans la frontière encore. Et puis, qu'on y a, ou vient dire ces populations ça, pour monter gaz sous lui. Moi, je pense non. Il est totalement indécent. Et qu'on va qu'a fait là. Je dis tout le monde qui a attendu là, avec taxi moto, toute population. Technique ou qui a créé problème dans ce technique, gouvernement fait pour faire population accepter monter gaz là. Nous ne pas prendre là dans le monde, on a comme ça. Je vous le montre là, après ça, qu'on va le passer là. Parce que nous, clés, il y a fait galon gaz à 20 000 gouttes. Et puis, au guide des il y a fait dire dans quelques radios, nèg pa yo, au gade peuple a acheté la 1000 gouttes, 500 gouttes, 700 gouttes. Où est le problème si augmentation fait? Son bagage vicieux, son bagage tendancieux, son bagage pour la population prendre au sérieux. Technique à fogou maintenant tout pompe matériaux, parce que font clair, pour cap bagazio, c'est pompe matériaux, surtout cap bagaz. Et son bagage pour porter la population à accepter une augmentation qui va craser la ville, qui va faire pas qu'à vivre plus, qui va faire vivre dans des conditions infrahumaines, puis plus que les gens la vivent là. Nous, dis non, nous pas entrer dans la logique ça. Et il y a encore ceci. Le bagage qui est clair, même pas de problème avec des nègres qui dit que l'État a effondré, des problèmes gaz. Bon bagage pour nous connaître. Marché gaz là, et économiste Fridjian encore, comme ça, passe et gagne des bagailles supplémentaires que le capoté dans sa mbaldia. Marché gaz là, presque rapporté entre 800 millions à 1 milliard de dollars en tout, dans ça, quelques économistes m'ont dit. Parce que je ne suis pas économiste, m'a pas dit à l'aime, m'était ingénieur, m'était sciences de l'éducation, m'respecter principaux, moi c'est médecin.
étudiant en droit, c'est ça, je suis pas ingénieur, je ne vais pas dire économiste. Mais ça m'entendait des économistes chevronnés de la place dit, ils ont dit que le marché gaz là presque rapporté entre 800 et 1 milliard de dollars. Au commencement, c'était un problème. J'ai mon âme venu à l'émission me dire plusieurs fois. Il y avait un film qui s'appelait, ou bien qui s'appelle, il est encore là, Novum. C'était un film Chérif Abdallah, Martine Moïse, avec un Dominicain qui était là-dedans. C'est là qu'ils ont commencé à importer gaz là. Chérif Abdallah, à travers Novum. Le scandale a vint pété, qu'on y a eu un petit jabre, s'il a démocratisé, il y a toujours un problème, parce que l'argent Chérif Abdallah a été fait à Martine Moïse sous gaz là, il n'y a pas qu'à faire encore. Et ça vient faire qu'on y a faux gaz la montée parce qu'ils volaient tout l'argent, ils mettaient la terre à la subvention et il y a ceci à se demander. La subvention dont on parle, qui ça t'est bénéficié? Comme si le peuple a bénéficié, eh bien si le peuple a bénéficié de subvention, condition là, ville t'améliorer, yon côté, pour ce machine yon t'es pas, ou bien t'es gagné l'école, il t'es gagné l'hôpital. Mais non, écoutez, moi je pense que question augmentation gaz là, m'a dit peuple a préparé. Le jour que ça sortit dans la bouche autorité, n'a pas la réponse proportionnelle. Parce que sans violence, hein, une réponse, c'est-à-dire que n'a pas campé dans la rue, n'a bloqué la rue, oui, n'a bloqué la rue, n'a pas empêché tout le monde marcher, n'a pas empêché que l'augmenter, sans violence. L'homme dit sans violence, selon moi, mais peuple là, c'est vous qui avez souffert, vous racontez comment vous agirez à fort. Mais moi, ça qui est important, oui, non, ça me donne rien. Mais peuple là, c'est lui qui a massacré la Saline, c'est lui qui a battu, c'est lui là, l'autre jour, nos manifestations le 11 septembre. Yo bay bal, gentil manis, prend bal, moi de vivre ça, y a tiré. Heureusement, c'était bal caoutchouc. Malgré ça, m'a dit gentil manis, bravo. C'est première fois, mon nègre, yo tiré sur lui, l'a campé, ça son capra à la mort, je me suis avancé toujours. Alors, peuple ça y a massacré, peuple ça y a tué, et puis, augmentation gaz, pas qu'à faire. Jamona, non, du secteur démocratique. Je ne parle pas dans nos familles Lavalas, je ne parle pas comme même famille Lavalas. Et je parle pour le secteur démocratique là. Nous, pas nan question augmentation gaz. Nous dit gouvernement gaspille l'argent. Nous dit gouvernement gué côté pour l'emploi l'argent. S'il faut subventionner et pour payer question gaz là, l'argent qui a perdu la douane, nan pour nan contrebande nan frontière, que y a le prend l'argent là. Et moun qui a fait contrebande yo, c'est yo encore qui a acheté votre sénateur, qui a payé 100 000 dollars américains, non, yo a cité dans bail l'argent pour bail 732 millions de gouttes pour bail député, et permettre-moi de saluer du même coup tout député opposition yo, tout sénateur opposition yo, qui bataille, parce que m'pas oublier sa manesse, les bossés, etc., exactus, deus, de honnêteté fait, monsieur Bravo, m'pas oublier tout ça, sénateur. Et pas quatre députés qui dans l'opposition. Non, salut tout reste, vous connaissez pas qui j'en m'a, vous m'avez entendu avec des collines. Moi-même, vous connaissez pas, on m'a dit, on m'a dit, qui m'a passé, m'pas pas le capitaliser sur lui pour m'crucifier. Songez, les Lafontaine t'a tombé, ça, tout député opposition t'a fait. Et pile monde qui pas de quoi. C'est député opposition qui met force, les printemps rouges tout, et ils ont jeté la fontaine. Et qui t'empêche de arriver dans le débat là, j'en arrive là, puis vite. C'est-à-dire, bon, de toute façon. De toute façon, moi, je pensais que député opposition, il y a pile qui font pile travail, je salue tout. Et même si je ne pas comprendre la dernière séance là, il faut le dire, je ne pas comprendre ni. Mais bravo pour les députés de l'opposition, tout comme m'a dit bravo pour les sénateurs de l'opposition, que je crois, yo, y a une la cerise sur le gâteau, c'est yo qui a le dernier coup de pouce là, pour vous et Jovenel Allais. Je vais chercher les chiffres. Je me crois que Jean-Mo, m'a baillé et Gérald Gilles, m'a baillé l'autre monde parler parce que je me crois sur ça, mais m'a fini sur ça pour me dire prétexte. Deux questions. Crise gaz là, peuple haïtien, gardez bien. Son tendance pour augmenter gaz là sur vous, pas prendre une provocation ça. D'ailleurs, vous pour comprendre, c'est pour mater l'IO plus fort qu'à bailler gaz. Et là, ça, vous mettez USGPN, vous mettez policiers pour sécuriser. Et vous, si vous, moun, pendant que le problème gaz là, qui fait l'argent, et exclusivement pour mater l'IO, parce que c'est le seul qui gagne gaz. Peuple haïtien, secteur démocratique là, il n'y a pas d'augmentation. Et le tout, depuis qu'il y a augmentation, il y a un goût campé pour bataille parce que le, il a tapé volé l'argent, 4,2 milliards de dollars, les l'argent gaspillé dans la frontière et dans la douane, il n'y a pas subventionné. D'accord, pour... merci, merci Stanley. Okay. Il m'a dit. Merci.
Il y a un syndicaliste du club et il soit besoin de placer un mot après Stanley. Oui. Salut du club, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr, mon ça. Oula, Marguerite. Ça fait longtemps. Oui, allez, Stanley. Vous-même qui sont étudiants inagués, qui en sciences politiques, vous-même qui n'en faculté de droit et des sciences économiques, qui appelé à diriger PIA demain matin, politique, chita sous chiffre, chiffre pas bâillement qui dans politique. Donc, vous-même comme étudiant, mais quelques chiffres pour qu'on ait, car il est la politique énergétique de pays. Ok, même pas de parler. Toujours de nature. Allez. Ça, l'émission est consaliée. C'est pas l'église. Oui. Toujours un petit commentaire. Pour ballon sens, il fait 5 heures de temps à parler. Ok. Et étudiant, Haïti a importé 550 000 barils de diesel par mois. Tu vois, une politique énergétique pays ou pas arranger. 50% exploitation diesel là, c'est compagnie Digicel, Natcom, Hôtel avec ONG qui boule. Nous importons chaque mois 350 000 barils de gasoline et utilisés surtout dans le domaine transport et maléré à maléré. Nous importons chaque mois 76 000 barils de kérosène. Donc, chaque gros perte de 75 millions de dollars américains par mois qui répartit entre subventions, droits, taxes que l'État a renoncé. Il va prendre. Donc, sous chaque gallon produit pétrolier, l'État a perdu 192 gouttes, 77 centimes. Mais qui vient le fait? Être là. 72 gouttes, 77 centimes sous subvention. Et il a perdu 120 gouttes de droits de taxe. Et sous diesel là, être là, c'est 158 gouttes 50. 83 gouttes, c'est subvention. 75 gouttes 50, c'est le droit de taxe. Donc, et 160 gouttes 50 pour faire du sous-kérosène qui répartit 60 gouttes 50 pour subvention et 100 gouttes en droit et taxe. Donc, en moyenne, l'État a perdu 170 gouttes 50 sous chaque gallon de produits pétroliers. Donc, perte mensuelle l'État dans les affaires gaz lui représentait 7 milliards 164 780 000 gouttes. Et par an, l'État a perdu dans les affaires gaz 85 milliards 164 360 000 gouttes. Au total, 897 millions de dollars américains. Donc, souvenez-vous de remarquer que son leader politique va parler de pays. Souvenez-vous de regarder, c'est la politique énergétique de notre pays. Produits pétroliers et électricité. Et groupe de Bouton a mangé comme produits pétroliers. Groupe Blackout à manger comme électricité. Donc, si nous sommes des hommes et des femmes d'État, nous sommes en train de penser pays, ben nous devons discuter entre nous. Quelle politique énergétique pour Haïti pour 20 ans qu'à finir, parce que 50 à 60% du budget nous passe dans la politique énergétique. Mais, ouais, nest qui voulait faire coup d'État,
Il y a le gouvernement criminel, gouvernement ceci, gouvernement Jovenel, gouvernement. Il y a pas le de Martine, c'est nèg qui va maîtriser dossier. Et c'est héritage avant la plan à gérer. Donc je dis, nous n'avons qu'à fou, côté politique énergétique là. Non seulement la affecté nous aujourd'hui, il va l'affecter nous dans 50 ans. Donc, ça pour nous définir, quelle devrait être la politique énergétique nationale de famille Lavalas, la politique énergétique nationale du parti de Gérald Gilles, et comment sommes de partis ça y est, discuter dans l'intérêt national pays sur une politique nationale énergétique pour l'intérêt de tous les Haïtiens. Est-ce que nous avons importé moins de diesel, gasoline? Est-ce que nous devons commander des machines au lieu de nous commander ça qui fait 21 km au galon, yo. Nouveau machine qui a fait, yo. Et qui fait à peu près 66 km au galon. Est-ce que c'est où nous devons commander? Par automobile, de 700 000 automobiles que nous gagnons, qui fait 21 km au galon, qui genre pour commencer à évacuer par automobile ça, pour réduire la consommation en essence, et remplacer par des camions, machines, qui fait 70 000 km au galon. On paye tant que les États-Unis, qui producteur de pétrole, exportateur de pétrole, il va faire 20 machines qui fait 17 km au galon. Donc, quand on discussion sérieuse, n'est pas chercher prétexte pour faire coup d'État, et une loi habite à Baïta. Quand on discussion d'État, discussion sérieuse. Et Stanley, je t'écoute. Et combien qu'on vous dit subvention est sous gasoline, sous diesel, sous kérosène, là c'est ça? Non, pas besoin de tout. Combien on dit lié sous gasoline? Gasoline, diesel, kérosène. Combien subvention est par gallon? Par gallon? Et pour kérosène, 860 gouttes, 50 par gallon. Non, 102 gouttes. 102 gouttes. 102 gouttes, Stanley. Continuez. Diesel, là, combien? Non, moi, c'est le chiffre officiel, je m'appelle là. 102 gouttes liées sous kérosène. Combien liées sous diesel, là? Sous diesel. 158 gouttes, 50. 84 gouttes sur le diesel. Non. Sous gasoline. Sous gasoline. Non, moi, même, t'es un doux abdou. Ou pas, blé ou inter ou. Qui t'en dit, combien de sous gasoline? 70 gouttes. C'est qu'on pas y recevoir comme yo cap deal. Ouais, ça m'appelle là, c'est Association des professionnels du pétrole. C'est yo qui recevoir. Et c'est yo l'État doué. On connaît c'est yo qui a intérêt majoril. C'est yo l'État doué. Donc yo baille chiffre ça. Ou même moi créé chiffre pour. Ou ça dit le monté à 192 gouttes. Comme ça, on va le dire. On va parler de taxes. Taxes là. Jean Mona. Bon bagage oublié. Qui s'amblie? Qui s'amblie? Et l'on parle de diesel là. Ou bay subvention, non pas bay cob que les crédits en droit et taxe. C'est taxe là, monsieur Doutalé, à qui 80 goud. Ou même vous mettez le 192 goud. Non. Tendez. Ça ou pas tendez ou à parler. Ça me se dit, c'est. Tendez. Nous tous débats à parler ensemble, Stanley. Ça me se dit, c'est ça l'État doué compagnie. Ok? Taxe là, les 80 gouttes, il varie 80 gouttes comme ça. Taxe l'État, ça va dire à la gouttes. Donc, l'eau additionnelle, c'est eux-mêmes qui totalisent à peu près 150 gouttes. Et ça fait que je dois parler de 192 gouttes, je ne peux pas rejoindre. Ou tout, ou majorer tout le bagage, ou même. Je ne peux pas ça. Ou pas besoin de reprendre tes tendres, et ça fait que je tourne sur non, ou tu un bagage qui part ça. Mais pas moi qui dis le nom, même pas créer chiffre, c'est l'association qui vous chiffre. Je vais reprendre le niveau. Vous n'avez pas où pour quoi et non association. Vous avez doré là samedi passé, doré vina chifio, doré dit au total 150 gouttes, ou même vous mettez 192 gouttes. Quand vous joindrez ça, vous pas besoin de reprendre tout le monde. Non, vous placez deux points, s'il vous plaît. Pour montrer,
dizaines là. Non, il y a des questions. Ok, sans dire correct au niveau de dizaines là. Subvention, c'est 83 gouttes que lié. 84, bon, mettez un pour vous. Ou pas un chiffre exact, 84 gouttes. Ok. Ok, quel 83, quel 84? Ah, non, pas gagné. C'est qu'on pas y croche, voilà, j'en dis, mais ça y est, doué. Bam li texte là pour, bam l'île. Bam l'île pour, bam l'île, wap suspend. On pas qu'à prendre chifou, c'est qu'on pas y a. Lisez communiqué de presse. L'association, tant de faut t'y paie, tout le monde attendait. L'association des professionnels du pétrole, sans les mabre bon la parole, nous tous les pas qu'à parler ensemble. L'association des professionnels, professionnels du pétrole regrette de constater les diverses interprétations que suscite la rareté des produits pétroliers. Elle profite de cette opportunité pour préciser. Un, tant que j'en dis, depuis de longues années, l'État subventionne les produits pétroliers. Deux, depuis près d'un an, l'État a cessé de prélever toutes les taxes inhérentes aux importations. Simultanément, le poids de la subvention a été transféré aux importateurs dans les proportions qui suivent. 70 gouttes sur la gasoline, 84 gouttes sur le diesel, 102 gouttes sur le kérosène. C'est eux même où l'État doué comme ça. Okay, ça veut dire que ça est à faire, t'as même pis dans l'intérêt yo, pour dire l'État yo doué plus que 102 gouttes. Yo même, yo descend, yo mette le 102 ou même wap majorel, alors que c'est l'État doué yo ça. Gardez. Ou n'y a ou ajoute taxes. Bah, monsieur, pas crédible. Ok, bon, vous finissez par parler. C'est pas moi qui finis par parler, non. C'est pas crédible. C'est l'association qui parle. Non, c'est pas crédible d'avoir chiffre. Gagne un docteur Gilles qui t'a besoin de deal, on dit on va avant l'aller, qui t'a le deal et puis n'a pas tourné avant. Excusez-moi, Sandley. Pas de problème. Merci beaucoup. Parce que nous-mêmes, dans nous là, nous profiter pour me saluer Sandley Montour, son économiste, même si là bas la vie, mais le bien début de réalité. Nous, on rapproche de politique énergétique. Il y a des bagages Sandley dit là que nous-mêmes, tout, nous t'es pensé à lui. Nous t'ai dit problème gaz là, problème ça devient là, lié en pile à mauvaise politique énergétique l'État. Et nous t'ai réfléchi pour nous demander en dans nous là, si par exemple, premièrement, nous clair sur ça, pouvoir ça pas capable d'augmenter prix gaz. Toute raison, docteur Chiller lui dit là, et nous-mêmes tout, nous camper dans le sens que l'État ça a perdu crédibilité. Là. Ou dit déjà, nous-mêmes faire référence à estimer que et toute population t'est campée pour payer 6 millions d'aides ça. Parce que t'es bon crédit, t'es bon confiance l'État. Mais en donnant là, nous pensons tout, l'on gouvernement qui gagne crédibilité, que le transition bien futur, un gouvernement que nous croyons là-dedans nous-mêmes, est-ce qu'on pensait par des moyens pour être capable d'augmenter les tarifs douaniers sous diesel? Parce que c'est plus entreprise avec M. Guin, gros cylindre qui utilise diesel. Et en même temps, l'État haïtien est capable de faire subventionner lui-même gazoline, qui c'est machine moun, qui pas vraiment gros cylindre, les petits cylindres. Deuxièmement, nous approchons tout. Est-ce qu'il est possible que l'État haïtien ça, pas l'État ça, non, pas l'autre. Alors, il ne faut pas généraliser, non.
l'on dit gazoline, c'est pour Timaléry, diesel. Il pas généralisé. Parce que il y a un camionnette qui dit diesel quand même, qui n'a la ria. Mais généralement, oui, c'est vrai. Le plus bon réseau d'augmentation de taxes, c'est vrai. C'est vrai. Sans dire, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que vous pensez que vos politiques, non, dans nous là, vous pensez que est-ce que c'est moyen? Parce que polluant. Oui. Est-ce que pas de moyens? Est-ce que ça a rentable pour nous vraiment, au chef Fidjan, si nous avons entré dans la logique de énergie renouvelable? Est-ce qu'Haïti est capable de rentrer dans la logique ça? Et d'aller utiliser, par exemple, une bagarre qui fait moi-même personnellement, mon goût de m'y quoi? Les journées, moi, je t'ai parlé de soleil, terre. Méchant. Sincèrement. Méchant. Bon. Mais même sincèrement, je pensais que ça le fait. Approche politique énergétique que nous utilisons soleil là. Global. Est-ce que l'État haïtien énergie propre ça, ça va l'énergie propre là, est-ce que l'État haïtien pas capable d'aborder une politique énergétique pour ça, qui est capable de faire utiliser moins de produits pétroliers ça, une voiture hybride journée aujourd'hui, qui utilise moins de gaz, est-ce que l'État haïtien pas capable de rentrer là-dedans, même dit l'État. Faut un coup, tout. Merci d'être quoi après mettre ça me saute bien. Non, moi, d'où qu'un bagarre ou t'as ouais, j'en méchant. Non. Ouais, Stanley, ouais, j'en de mauvaise foi. Les nègres ont produit, les bons crédits, ils ont pile bagarre ou t'as dit. Pour n'y en dire la répéto. Mais l'idée dit ça, elle a commencé. Nous réfléchissons en pile. L'idée dit en pile bagarre ou dit là, c'est l'idée d'accord avec. Et c'est vrai, nous t'as aimé, ou même qui avance, est-ce qu'elle est vraiment capable, rentable pour l'économie haïtienne. Mais nous répétons encore, côté politique là, pour voir ça, pas donc une crédibilité encore. Parce que finalement, nous tous, nous aboutons, nous pas quoi son pouvoir. Et bon bagage, il a dit, c'est bon. Vous avez répondu non, il va aller. 4 points, et c'est ça, et aspect ça, l'économie de la violence, nous sommes en pile en dans nous là, nous pensons que c'est pas seulement 4,2 milliards de pétrole pour nous parler. Est-ce qu'on a chiffré pour nous? Parce que nous avons besoin de ça, nous n'avons pas le même invité, même si on parle de nous là, ou pourquoi? Est-ce qu'on est capable d'expliquer la population pour nous? Que ce n'est pas seulement 4 millions que nous perdons. Est-ce que vraiment, chaque jour qui passe aujourd'hui, combien nous perdons vraiment au niveau de douane, au niveau de DGI? Au niveau de toute institution, ça, au niveau de l'évasion fiscale qui est dans le pays, est-ce que pas de moyen pour nous montrer la population ou pas qu'à demander le mal et pour montrer qui chiffre combien de fois par an corruption fait l'État ça a perdu. Nous répondons rapidement parce qu'il faut aller. Faut aller, j'aime le dire. Premier, il a dit. Fuit. Oui, alors ça va. Fuit, nous allons mettre bon bagage en droit aller. Mettez dans le livre là, vous mettez clairement. Et économie violente, c'est sous la valeur qui commence. Ils sont phobies. Oui. Après la valeur, c'est la loi. Mais la calo toujours. On a l'air, Fritz. Oui, Dadi, trois éléments rapidement. Premier élément, sous question de économie renouvelable. Je pense que l'énergie renouvelable. Je pense que nous en plein dans l'économie du savoir qu'on est là au niveau mondial. Si gagnons bagay qui a fait pour penser pays, nous pas fouti à penser pays par rapport à ça qui a fait dans la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Nous pas dans le même schéma ça. Dans le schéma de pensée, nous supposons, c'est garder l'économie du savoir, troisième révolution industrielle. Là, comment nous-mêmes nous pensons dans la troisième révolution industrielle là. Et dans la troisième révolution industrielle là, c'est évident, question de bonne énergie fossile, ça parle là-dedans encore. D'ailleurs, Allemagne montre dans l'espace de 7 ans, Allemagne a gagné près de 25% de énergie qui produit à partir de l'énergie renouvelable. Et qu'on y a là, il pensait que dans l'année 2030, il y a bien 50 à 60% de énergie qui fournit par énergie renouvelable. Donc, si vous voulez, c'est mais gagner tout en disposition pour qu'il prend au niveau légal, disposition au niveau de organisation économique pour qu'il permette que vous gagnez des centrales qui pas nécessairement des centrales qui connectaient entre eux, mais à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a possibilité pour redistribuer comme si les centrales ça qui vont supplier l'énergie vers des espaces qui ont utilisé l'énergie que le lien supplie. Donc, même parce que ça a demandé, nous ne pouvons pas répondre rapide comme ça. Mais maintenant, sous question qu'on posait sous l'argent qui est perdu. Estimation que nous faisons dans l'INOP, je connais que Banque mondiale fait estimation par
estimation que nous faisons pas chiffre Stanley non on est bon mondial on est bon mondial fait estimation parle là on a parlé de ça que l'État a touché en termes de privilèges, en termes de passeport, en termes de franchise et tout détournement qui fait au niveau de douane, APN, etc. Nous estimation qui de 500 millions. Vous connaissez que Banque mondiale lui-même et bien que 500 millions et dollars pour non pour douane, pour douane et là, là, APN, là. Franchise, etc. Et là douane pour au prince. Oui, c'est bon. C'est essentiellement douane pour au prince. Oui. Et, c'est la et là Banque mondiale fait estimation qui équivaut à 20% de PIB. Estimation pas beaucoup dire. Perte, sèche. Et d'ailleurs, dans une discussion que nous faisons avec le Conseil de monde, par exemple, il y a parlé de améliorer technique, etc. On dit, on va que nous parler de amélioration de ça qu'il a, on nous parler de ça qu'il a, là, on va essayer d'appliquer pour que l'argent ça que n'a perdu n'a rien à voir avec 200-300 millions de dollars moins n'a demandé au niveau international. Ça, c'est un troisième aspect que je pense qui est extrêmement important dans la discussion qu'a faite sur la question de l'État. Ça, et c'est accent à moi-même que je mettais sur le livre là, Stanley qui a parlé. Là. Et Stanley, comme vous allez, m'a tout dit ça là. Je pense que mon focus, moi qui suis sous le gouvernement, qui suis sous l'exécutif, qui suis sous l'État haïtien. Mais l'État haïtien, moi-même, m'a essayé, m'a interpellé tout le monde, sont l'État prisonnier que lié. Faut nous pas peur. Regardez que son l'État qui prisonnier. Prison otage. La même avant nous d'accord. Good. Donc son l'État qui prisonnier. Donc l'un a discuté. Il faut que nous clair. Ça ne le dit pas là. Si nous pas mettez ça sous table là. Demain matin, qui n'est pas de monde qui monte sous pouvoir et vous montez dans la même situation l'État ça. Même relation de causalité qui gagne entre groupe d'intérêt, institution politique et institution économique, nous ne pouvons pas tomber dans la même balle. Mais tout le monde est clair. Je demande ce que Jean Dagadil, l'État prisonnier ou bien un État qui s'est laissé fait prisonnier. Est-ce que pas qu'on le forme comme ça? Est-ce que pas bon manque de courage politique aussi des dirigeants pour affronter monde qui prend il s'est fait prisonnier. Sémantique. Il s'est fait prisonnier. Il s'est fait. Prends la parole. C'est la parole que vous parlez. C'est la parole que vous parlez. Salut, Ludovic. Il me dit processus là qui mène nous à ça que nous vivons qu'on y a là. Moi je parle. Moi je parle. C'est Stanley qui m'a parlé. Oui, je suis d'accord, mais pour qu'on finisse la comment nous y là. Non, mais Dr. Ludo, là, pour qu'on ait comment nous y là, il faut qu'on aille les voir. Non, mais les voir. Bon, comment vous voulez tirer pour qu'on mette l'électron. Serge dit, Serge et Serge Pierre-Louis, il a écrit Serge pendant le temps d'eau là pour dire qu'il bon livre là disponible. Non, librairie La Pléiade. La Pléiade. De La Pléiade et puis non, communication plus. Il n'a ni La Pléiade Pétionville ni La Pléiade. C'est ça. Bois patate. Bois patate. C'est la machine. C'est la machine. C'est son foie et demi, même deux fois. Mais c'est ça fait seulement me penser, lors de l'État prisonnier, me penser, il faut t'a mettre bémol là pour t'a dit. Oui. Il faut aussi une volonté politique réelle de ne pas accepter. Yo prend un otage. Correct. Ça, il faut gagner volonté politique. Là. Et moi, c'est une nouvelle affaire. Oui, merci, Jean-Mona. D'accord, merci, Fritz. Stanley, nous saluons pour tout le monde. T'as un moment, Stanley. T'as un moment. Et puis, profiter, saluer mon capi, mon Saint-Suzanne qui attend de là. Ok. Merci beaucoup. Et oui, Patrick. Non. Bon, comment est-ce que Stanley? Je vais tourner sur Wavel. Non, je vais aller rapide. Ah, mais allez, allez, Stanley. Allez, où est-ce que allez, où est-ce que allez? Où est-ce que allez? Non, c'est démocratique. Pour qu'on fonctionne dans la démocratie, sur le même dossier, nous avons des chiffres différents. C'est un bail qui est normal. Ça, j'ai mon bail là, sous le diesel là. C'est comme subvention que le bail. Il pas bail comme droit et taxe là. Mais dit l'histoire. Soit ajouté comme droit et taxe. Vous voulez toujours gagner raison. Ou après chiffre moins correct. Ce n'est pas ça, monsieur, mentalisé dans le chiffre. Hé, Jean-Mi,
Excusez-moi. Semblez jouer la fonction crise, je dis. M'a pris un menteur, dans aucun anarcho-populiste médiocre qui vient jouer. Bon. La question vient de répondre à faire. Elle fait ça dans la réunion la caille. Mais c'est dans le matrouillé. Pour que c'est jour de jeudi. Ou pas des chiffres dans le monde, ou pas maîtriser les dossiers, ou pas mettre dans le marché, ou pas mettre dans le marché, ou pas mettre dans le marché, c'est quand même blanc lié, oui. Vite ici, vite tout à l'heure pour parler. Sinon, moi, je conseille des nègres qui disent n'importe quoi, oublier, les gens oublier. Ah bon, mais toi, de moi, pas mettre. La canne n'est pas de moi, mais. Anna, les Stanley. T'as ça que dans le monde, ça va avoir, oui. Fini, oui. On mène. Stanley fini, ok. On mène. Non, c'est pas assez, ou bien la parole, là. Bon, ancien député avocat dit Stanley. Moi, ça ne dit pas qu'on est. Dit Stanley. Dit Stanley, c'est menteur, c'est souterrain où le venir. Stanley, là, bien, même souterrain. Ça a empêché le venir. Ou paye le premier l'autre boss. Si avocat, député, ancien député Joël, lui, a volé terre. S'il volé terre, Stanley, pas qu'à venir. Quel terrain? Oui. Non, moi-même, je défends nous, l'État volontaire. Et justement, malgré quoi qu'elle est faite, après que nous sommes, mais fois dans le ramassé, on peut révéler que nous sommes voisins de l'État. Tu n'as pas pour l'État. Il y a un style qui peut être pas toujours. Sortir, c'est justement. Gouvernement Jovenel, la même. Cap, voler, à faire moun, nos pays, et me dit pour ça. La famille Charles dans mes balais a perdu sa vie. Pourquoi ça fout dans balais? On a dit que c'était affaire. Tout de on avance. Quoi de bouquet, on va avancer. Oui. Avancez, Christian, qui t'a fait pour l'éther? Non, il est là. Bon, en effet, sur ça qu'on avait dit, et qui très fondamental en pile opinion qu'a pu mettre analyse qu'a pu faite. Je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Ça qui est important, c'est Silayo qui est en dans pouvoir, Silayo qui est dans l'opposition, Silayo qui est dans la société civile là, Silayo qui est dans le secteur privé des affaires, Silayo qui est élite intellectuelle, Silayo qui est élite religieuse, Silayo qui est élite politique. Si la yoki élite économique, tout le monde et que si la yoki élite presse là, je dis, hein, on mettait d'accord pour nos approches de société, et que pays nous, hein, nation nous, hein, qui n'a ça ou élite défaillance, société. Défaillance sociétale, et c'est ça, économiste a dit d'aller à elle parlait de l'État qui prend en otage là. L'État prend en otage là, c'est pas fondamentalement acteur haïtien qui a des parts de responsabilité dans la gestion de l'État, à quelque niveau que ce soit, qui fait prison, qui fait prise en charge de otages. Prise en otage de ouais, c'est pas eux, mais ils ont une responsabilité comme haïtien en tant que leader à tous les niveaux, qu'est dans l'État, qu'est dans la société civile, qu'est dans l'opposition, toute mouvance sociale, la mouvance syndicale, la mouvance droits humains, hein, mouvance politique là, pour nous garder. Qui ça fait qui expliquait prise en otage ça? Prise en otage ça, depuis nos fondations, non comme l'État, comme pays, et après, effort. Mais vous êtes dans le gaz là, ah oui?
de... Non, il y a un gaz là, 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 non, c'est moi qui a organisé. Oui, je comprends. Faut finir dans le sujet qu'on a débattu là, puisqu'on a pris tout. Je comprends. Nous, on a un gaz. C'est modèle défaillance société, modèle défaillance sociétal là, qui va nous dédiquer sens institutionnel là, qui va nous imposer la choix administrative là, qui fait que mon pouvoir vient à chiffre. L'opposition vient à chiffre. L'opposition vient à chiffre. Attendez, qui t'aime faire parler? Non, on n'a pas dit tout, dit n'importe quoi. Qui chiffre l'opposition pour te? Écoutez, il y a des chiffres, il y a des gens qui ont répété, de répéter à partir de données, soit le temps de un monde pouvoir dédié, et puis de capitaliser sur l'histoire pour analyser, pour réagir. Comprenez bien ça, m'a dit. On veut faire, on était dans un contexte de société pour nous faire bagaille au marché. Et que les gens qui ont le droit à partir de ça, Anadip dit, et puis que. Qui va Anadip? Anadip aussi bien concerné. L'être autant parler, on a fait face à la Anadip qui fait. Non, il va pas Anadip. C'est qui est? Non, on va pas attendre ça qui fait pour les données. Association nationale professionnelle des produits pétroliers. Et pas Anadip. C'est pas Anadip. Non. Donc, c'est deux bagages différents. D'accord. Alors, c'est ça, c'est Fandel. OK. Donc, ça qui est fondamental, ça qui est important, chiffre par chiffre, j'ai fait Gaza dans le pays, à Poulia, son question de la honte, son humiliation. Monsieur Jovenel, vous... Chiffre par chiffre. Bon. Et, en ce sens, l'État a une responsabilité. Acteur qui a fonctionné dans le domaine, non, nous voulons parler de secteur pétrolier, a une responsabilité pâle. Et que conditions sécuritaires que Pompio a évolué et pour vendre produit à tout, ils ont gagné responsabilité par eux. Et citoyens autour qui ont besoin et qui pourraient l'acheter, bon, ils ont nécessité, nous avons dit dans le comportement, ils ont gagné responsabilité par eux. Tout. Même les gens qui concernent la gestion de produits, responsabilité a incombé plus à eux-mêmes. Et que je ne vous dis, ces gens que l'État gère, choses publiques là, qui fait que, qui rendent même application loyale difficile. Avocat là, il connaît bien que, il y a une loi qui interdit que le monde achète gaz dans le récipient, pas ça. Mais pendant que nous avons fini une loi qui interdit que le monde achète gaz dans le récipient, nous avons reconnaître que tout le pays a un problème énergétique. Nous avons reconnaître que tout le monde est obligé de gagner le gola caillou. Nous avons reconnaître que tout mon nom n'est pas un cop parce que dans la poche, les gaz limités dans la machine n'est pas suffisant. Après dévirer, blocus à droite, blocus à gauche, mauvaise route, mauvais état où tu fais mon nom le plus gaz tout dans la machine. Nous avons reconnaître tout ça. Et qui fait que mon nom n'est pas dans la rue, côté que l'obligé. Il faut que son galon pour le prendre pour l'acheter pour l'acheter gaz là. Comprendre? Donc que ça a posé problème et que maintenant si vous voulez appliquer la loi réellement contre mon cap acheter gaz dans le récipient, vous venez en difficulté puisque. Non, bah j'aime d'accord, non? Bah j'aime d'accord pour appliquer la loi contre lui. OK? Donc nous comprenons tout ça. Et des fois, on est dans le lit, on dit que si le petit récipient là, l'acheter, il n'a pas passé plus vite. Oui, parce que le rivière en ligne là. Donc lui dire un bagage là, on senti, il tellement parlé avec force. Population elle est pas attendue. Est-ce que bon doit me répondre? Avec plaisir. Spéculation illicite qu'a fait Jodia dans la rue à sous question de gaz là, c'est une complicité qui gagne entre gouvernement et monde qui a vend gaz puis est capable de conduire nous vers une acceptation de l'augmentation de l'augmentation. Excusez-moi, je dis pour la chose comprendre. C'est ça qu'a fait là. Non, son spéculation illicite qu'a fait sur le prix produit. C'est pour nous mener la population à accepter l'économie. Si nous prenons la deuxième. Alors, bon, on a des marches là, vous comprenez, ça le veut dire. C'est comme si, quand on arrive dans une situation où pas qu'à jouer de gaz là, bon résilient, bon même si on achète. D'ailleurs, c'est comme ça lié dehors. Si on marche parallèle là, on a acheté le bien cher. Puis tout le prendre. C'est ça. Il y a logique là. Ok. Non, excusez-moi. Il faut faire clarification. Où voulez-vous faire ingénieur? Il va pas dépasser. Motion. Là, on va parler de tout d'abord. Ballon motion. Merci. Oui, ça me demande, c'est parce que
excusez Patrick. Patrick a expliqué là, ok, comment que nous pas capables d'appliquer la loi, nous pas doués appliquer la loi. Et Jean-Bernard dit, lui-même tout, il n'est pas d'accord pour appliquer la loi. Il n'est pas d'accord appliquer la loi, non. Moi, dit, expliquer ou justifier pour qui ça, la loi pas qu'à appliquer. Jusque là, m'a dit ça. Vous dites que il y a une loi qui interdit. Mais ça m'a dit concrètement. Comment on va qu'elle a dit ça? Oui, bon, on commence à trouver une loi. Hein? Il y a une loi qui interdit. M'a pas expliqué que. Il n'y a pas qu'à vendre de tous côtés. C'est bon, il n'y a pas qu'à vendre de tous côtés. La clarifier pour nous. Plongez comme ça, parce que Dieu Clos a persisté. Patrick a clarifié pour nous. Patrick, avant de clarifier, je vais vous mettre du clos depuis tout à l'heure. Du clos, comment nous y est? Ouvrez pour les, ouvrez. Et bien, chez nous, c'est moi qui a fait. Allô, du clos? Spéculation illégale. Lovensky. Du clos. C'est moi spéculation. Allô, du clos? Il m'a sorti. Allô, oui. Oui, là, qu'on y a au bon. Oui, nous saluons tous, fidèles auditeurs de l'émission, ça, Ramassé, et chauffeurs et aux populations, et syndicats qui devraient être pour ce peuple-là, nous saluons tous. Et bon, bagage là, oui, nous avons dit, si on connaît Christin, son respecté, député, qui est éloquent pile, c'est une bonne chose, mais au moins, il est très taille, je veux dire, dans la pièce, là où elle a passé par la tangente, on pourrait m'expliquer. Attendez, Christin a passé par la tangente. Moi, je veux dire, merci, je veux dire, les moins population, l'innocentation civile. Du coup, avec ce style-là, moi, comme commencer avec elle, pour nous dire que ça n'a pas fait dans aucun pays. Et puis, il y a la loi. C'est la loi qui va appliquer et l'ambassade avec Gamboutou. Je dis que la loi, c'est la loi. C'est pour nous ne pas comprendre samedi, ah oui. Alors, ouais. Moi, je dis, Jean Bagay, ça a fait là. J'aime demander aux motions. Jean Bagay, ça a demandé ça. Jean l'a fait là. Du clos. Jean l'a fait là. Imaginons, ça veut dire, on fait 3 jours, 4 jours, et puis Jean l'a fait en désordre. L'année qui passe, il prend un récipient, il prend, et puis moi-même, pas le perdre, dit en ligne, il n'a pas le récipient, il prend tout. Et samedi. Très bien. Mais ce que je connais bien, c'est, il y a un pouvoir dans le la loi dit que ça, vous faites, il y a un crise. D'accord là avant. Du clos. Nos camarades du clos. Ils disent d'accord avant. Ils ont créé des autres là. Ils ont créé. L'État a créé des autres là. Et docteur Chila, je dis, monsieur, quand vous fournissez pour le temps pour poule poule dans le pays là, c'est au campagne gaz. Et l'autre pour quitter l'avant, ouais, on va gagner gaz. Parce que nous allons comprendre, le stand le dit, l'État a perdu 85 milliards de gouttes dans l'année. Ah, mais si l'État a un budget de 175 milliards de gouttes, il perd du 85 milliards. Et comme ça, c'est notre budget à côté du pays. C'est son budget annuel, nous gagnons. L'État n'a pas un compte du tout. Beaucoup de gens ont l'argent pour être député, par sénateur. Ça, bon. Non, on comprend ça véritablement. Et nous avons 5 milliards que nous perdons par l'année. Et comme l'argent dans le budget à boulier, ça veut dire 90 milliards. Ça veut dire 90 milliards, on a fait tout ça, on a fait là. On a boulé belle auto, on a bien physique, on a fait tout le bagage, on a mangé bien. Comprendre, sécurité à payer, c'est ça. Ça veut dire qu'on a un problème, qu'on a vérité que le peuple a été sous question. Mais qu'on a, on a un feedback. Nous sommes. Entendez, il y a dit l'État pour prendre taxe. Je me dis, sur qui base l'État fixe le prix de 179 gouttes là. Sur qui base? C'est sur base taxe parce que produit l'Elvini, il te coûte l'État 122 gouttes. C'est 122 gouttes, écoutez. On a dit 179. Ah, mais tout reste là, c'est taxe que lié. Fixé, la réalité. Il y a une taxe à nous. Nous avons, par exemple, frais financiers. L'État financier qui t'a permis que les ventes viennent de bout de là, qu'on y a là, il y a un obstacle. Je dis, total en douane qui est chargé pour lui, des frais financiers qui avaient pris et pris ce là, il vient 127. Sans ni problème, nous d'accord. Il y a un droit de vérification qui fait 7 gouttes, 67 centimes. Nous d'accord. C'est des taxes à oui. Il y a un frais portuaire. 69 centimes, nous d'accord avec elle. Ils ont dit droit d'assise, c'est taxé, 25 gouttes, nous d'accord avec elle. Prix de douane, oui, on est pris ex de douane, 180 gouttes, nous d'accord. Ils ont fini avec réservance carburant, par contre, ça avait dit réservance carburant. Ils ont fini avec 1 goutte, ils ont pris. Ils ont fini avec l'autre, match compagnie, on a quitté 13 gouttes environ,
Yo vini avec multi-distributeur servion 20 gouttes. Yo vini avec transport provincial, 1 goutte 50 environ. Toutes ces taxes. Yo vini en rouleau qui est à droite à 6, ma connaît variable, qui est chargé 4 gouttes pour lui. Et pour dernier taxe qui est chargé pour lui, qui est marge de stabilisation de ma consalier, qui est 42 gouttes. C'est tout ça ensemble qui est taxe, qui est 169 gouttes, c'est que ça est combien. Vous nous dites, on va mettre un petit pot. Mes amis, par contre, il dit que ça a parlé. Encore. Excusez-moi, du coup, en plus de taxation, ça y est, il y a le fonds d'entretien routier fer. Nèg yo son bagay purement obscur, pas jamais d'explication sous bagay ça. Ça doit être taxation différente. Il prend taxe quand même, surtout. L'air de prendre taxe, c'est vrai, c'est ça. Il y a un dit qui politique monétaire gouvernementale. Qui politique financier que le gain, qui peut permettre que nous produisions plus, pour nous gagner plus. Comment donc, monsieur, après tout, il y a des dollars pour empêcher de la monnaie. Non, mais toi, Kamoun, sous table, pour qu'on dise un mot, non, sous cause ça, Stanley. Toi, Kamoun, pour qu'on dise un mot sous lui. Ok. D'accord, Duclos, merci. Kamoun, nous disons qu'il n'y a aucun problème. Les gens m'ont posé le problème, non? Ou bien, chez les deux, ils ont posé le problème, non? Après, l'État a jamais respecté, et c'est ça qui est moralité dans l'État. Moralité dans l'État. Ou font accord avec le syndicat, et chose pour le gouvernement, la fontan. Ils fait monter, ils ont dit nous clair, ils ont un déficit de 8 milliards de coûts de subvention, quand ils ne sont pas quand même au pouvoir. C'est que Petro qui arrive là toujours, parce que tellement vrai, ils ont prôné que le gouvernement annexé n'est pas. C'est dépenser 33 millions en résolution sous corps Petro qui arrive. Ça veut dire pour gagner. Question subvention qui a parlé là. Malgré ça, il a dit qu'on subventionnait pour 8 milliards de gouttes. Il n'y a pas de problème pour 8 milliards de gouttes là. Nous avons une augmentation pour faire 8 milliards. Kounia, nous appuyons le bouillon encore avec une loi 9-95 qui ne sait pas syndicat qui vote, ce n'est pas chauffeur qui vote, ce n'est pas population, c'est parlement et le gouvernement qui fait. Nous d'accord, Bayol. Un mois après, le produit a chuté de 14 à 16%. On y arrive un avantage population. On y a, nous écrit le gouvernement, nous dit, mais le chute de 16%. Si j'en saute 10 ans. 50 gouttes sur gaz là. Ils n'ont pas répondu. Nous écrit la présidence, ils n'ont pas répondu. C'est ça que fait, oui. Qu'on y a l'air monter en juillet avec pression FMI, on peut monter et puis payer à basculer dans le maillot. Je dis à qui sont pas nous responsables. Nous pas responsables rien. Nous disons si le gaz monte, à quel est le plaisir à mon équipe, vous êtes d'accord. Vous avez fait ça ouvrir. Vous avez un pouvoir, vous avez un âme, vous avez fait ça ouvrir. Même qu'on est en train de bagarre. Les populations n'ont pas d'accord pour le fait de faire. D'accord. Merci. Mais nous-mêmes, des syndicats de transport, tous syndicats confondus, nous répétons et nous disons péremptoirement, gouvernement, pas qu'à monter gaz, c'est pas nous qui a parlé sur la visée, que la population, il va être au et syndicats. Regardez, et structure là dans la commission présidentielle là. Non, non, fin de faire la question ça. Fin de en mai. Je ne vais pas réserver les jours parce que je ne vais pas attendre hier, mais je vais attendre des tas de noms qui étaient la donne. Et je ne vais pas réserver la donne parce que nous ne vais pas être fragilisé. Effectivement, en mai 2017, lorsque la loi de l'Assemblée 2017, qui a quoi, qui fait 18 points, qui va les respecter, la donne était demandée pour chaque petit qui était là, il y a un représentant. Effectivement, il y a deux représentants là-dedans. Moi-même, je te propose un nombre de gens qui ne sont pas dans la bagarre. Je n'ai commission avec personne pour ne pas expliquer nos bagarres. Donc, il y a deux mondes effectivement qui doivent représenter. Malheureusement, il y a une dame qui a fait des réflexions, qui ne vient pas venir encore. Bon, il ne fait pas. Mais il y a une directe. Il y a une directe. Ça nous y est. Le comité, ça dit clair. Ça, c'est commission présidentielle que nous avons toujours d'accord avec nous. Mais que vous avez dit pour faire suivre les lois de la cour, ça, il y a d'accord pour le monde. Pour faire un autre problème. Mais nous croyons que le comité mouvement unifié des transporteurs haïtiens n'a pas donné pouvoir et même mandé à quiconque pour y aller représenter la réunion commission. Parce que non pas dans la contre la question. Pour que ça arrive, si on a une commission dit non, c'est quoi la gaz Gaza, pas les télés après les messieurs commission. En vieux, mais c'est si mounioué là-dedans, c'est si mounioué, c'est bien le chita, pour sous quel bruit d'être. Mais, comme dit tout, information que nous avons, parce que nous avons un gaz là, ça m'a dit. Yo même tout, yo, yo pas d'accord, gaz la montée. Après, comme information, dit clairement à M. Lapin et son gouvernement, gaz pas qu'à monter dans le pays, il n'y a pas que le syndicat comme d'accord. Je dis ça. Le peuple devant et nous autres. Nous là.
Merci, merci Duclos. Voilà. Merci. Et où t'es fini, citoyen? Qui t'es fini? Qui t'es le conclu? Bon, oui. Ouais, de. La rentrée sur un petit fil de conversation. Ah, mais ok, n'a pas fini. Je suis un spécialiste. Qu'on a application la loi. Ah, tout soit fait alors et récipient. Qu'on a application la loi et qu'on a dictature par la loi. Et toute société moi de marché qui va résulter c'est toujours dictature par la loi. Qu'est-ce qu'on a ça? Non, c'est pas dictature. Il y a une dictature, il y a une dictature par la loi. OK? Les États-Unis c'est la dictature par la loi. Le Canada c'est la dictature par la loi. La France c'est la dictature par la loi. Mais à quelques fois que Haïti font série de pas, on série de progrès, c'est dictature par la loi. Et puis qu'on par retenir application stricte de la loi ou tomber dans la pagaille, dans la débandade et ça mène nous très loin et ça a coûté en pile à Haïti parce que nous refusé appliquer la loi et respecter la loi. Discours de la méthode de Descartes. Ok. Donc, moi, j'ai expliqué que par le fait que l'État, les gestionnaires de l'État, par manque de responsabilité, comme gestionnaire de l'État, administrateur de l'État, comme manager de l'État, par manque de leadership transactionnel, organisationnel, yo vin mette pays en une situation de déliquescence institutionnelle. Fort de cela, moun ki la ki pou fè appliquer loi yo, par exemple dans cas ça commissaire du gouvernement bon rôle extrêmement pour ta jouer pas ça avocat. C'est pas possible qu'on a gardé pour avoir des milliers de moun à galon marcher dans la rue. Exactement impossible. Quelque part, c'est arrivé, c'est parce que dans mauvaise gestion, qu'est-ce qui est responsable d'abord? L'État. On admet ça. Le gouvernement. OK? Donc, non, mais il n'est pas mal dit. S'il dit l'État, il va mal. Représentant exécutif là dit l'État responsable, nous connaissons comment peuple là. Ok, nous faisons communication. Ou même, on va exiger plus, je pense que nous comprenons ça, je dit. C'est ou même qui parle français, qui dit l'État, c'est moi, je mais des fois, ah, mon cher, l'État, ça, c'est pouvoir, c'est parler, c'est ça. Vous comprenez? C'est Jovenel. Jamouna. C'est la paix. Ingénieur. Jamouna. Deux voix. De faire éducation. Non, c'est pas de ça qu'on a parlé. Non, communication, ça lié. Communication, c'est stratégie pour faire un message passé. Oui, mais. Ok. Message, nous besoin de faire passer, nous besoin de responsabiliser, yo. Or, avec ça, le diage, c'est ça qui passe. Ok. Est-ce que nous pas bafoué, yo? Nous pas bafoué, yo. Nous se passe ce message-là. Minute, écoutez. Clairement. Le gouvernement. Monsieur, dans des détails. N'est-ce pas fini de dire l'État responsable? Ok. Vous n'avez pas le chercher explication. Et même pas, oui, l'eau. N'est-ce pas fini de dire le et puis vous nous tellement ting-ting. Il faut reconnaître dès le départ, crispé, pratiquement fait confiance. Non, mais. Que la faille.
Il a fait cette profession. Non, mais le sénateur Steven Benoît dit le bienvenu dans l'opposition. Vas-y, le tendez. Oui, c'est bien. Il a fait ça. C'est pas la première fois. Non, ces derniers temps, c'est comme ça. C'est la vie nationale qui admet que c'est le pouvoir failli. C'est la faillite totale. Et le qui fait, on va donner un jeu. Attendez. Moi-même. Beaucoup même pour un sujet principal. Ça qui passe fondamental pour moi, c'est société. Je pense que dans l'opposition, on a un regard de société. Qu'on a un pouvoir, on a un regard de société. C'est fondamental et c'est que nous approche fonctionnaliste et pour elle comme ça, on a une mesure pour sincère et pour dire vérité. On ne fait pas fonctionnaliste. Et que ça qui est fondamental, je ne vous dis, nous tous qui sous table là, Nous avons droit à gagner difficulté directe ou indirecte pour faire mon à l'école. Je vais expliquer. Nous avons droit capable de faire effort ou faire petit ou à l'école. Mais il y a tellement de monde qui sollicite pour qu'ils soient affaires à l'école là, surtout le monde qui est en position de leadership. C'est sûr, certains qui ont déjà on n'apprend pas tout aussi bien. Et que ou même qui croient un peu dans l'éducation, voilà que vous trouvez une incapacité pour aider un série de monde ou être qui est supposé répétiter l'école normalement. Psychologiquement, ou être qui souffre de sa porte et barre. Est-ce qu'on imagine, par le fait même que nous sommes en difficulté, quant à lui, les travailleurs de la presse, qui ont dénoncé pour la société, qui accompagnent la société, journalistes, ils ont une difficulté tôt, comme travail de la presse pour vous petit à l'école. Alors que l'école primaire, pendant que la constitution pays nous fait de l'État obligation fondamentale pour tout le monde dans le niveau primaire, l'école gratuite. Et lui-même dit, l'État central là, doit assister l'État local là, et les collectivités territoriales pour aider que peut aller. Pour retourner. Ça veut dire ministre Agenor, zéro. Gouvernement. D'abord, même. Gouvernement. On pose un problème, on a les constitutions. Mais pour ça. Pour nous, gouvernement. L'aide, on pile bagaille. Lorsque enseignant dit l'État pas fait tel bagaille, l'État pas fait tel bagaille. L'État ne s'autogère pas. Tout comme le gouvernement ne s'auto-gouverne pas. Le gouvernement gouverne l'État. Gouvernement, d'après constitution pays, c'est lui-même qui prend la loi d'exécution des lois de la République. C'est ça, constitution pays a dit. Donc, gouvernement, l'a administré l'État, l'a géré l'État, l'a exécuté la loi de la République. Pour qui est-ce? Pour l'État en tant que personne morale. Évidemment, faillite l'État, c'est faillite moun qui n'en gouvernement qui a exécuté les lois de la République. L'offre translation, l'offre équation, c'est ça à gagner. Vous avez même dit, dis-moi qui qualité gouvernement qu'on gagne, m'a dit qui mode l'État. Que vous avez dit, que vous gagnez. C'est comment l'État a fonctionné. Mais je voulais vous dire, c'est pour que nous reconnaissions cette déliquescence institutionnelle qu'il a, qui fait citoyen haïtien dans mon lieu, dans la ville, dans la section communale, dans la politique, a souffert, a grand goût, dans misère, dans toute la souffrance, en misère invisible. Maintenant, tout acteur qui est dans le pouvoir, qui est dans le rouge, ça dans le pouvoir, est-ce que vous exercez le pouvoir bien? Est-ce que vous gérez le pouvoir bien? Qui résultat dans X domaine donné? Ok? Et l'opposition a réagi, qui c'est vis-à-vis pouvoir, qui a réagi, qui a critiqué pouvoir. Est-ce que critique bien fait? Est-ce que l'opposition a organisé le tout aussi bien pour bagaille bien marché? Moun droits humains, qui a posé problème de droits humains, violation de droits moun yo. Est-ce que yo bien agencé, articulé question de violation de droits citoyens dans le pays? Est-ce que les ont pile fatra dans la rue, est-ce que ça attire l'attention comme monde droit humain?
puisque mon cap vive là, il y a droit à santé. Santé publique, comment c'est d'accord. Fait. Donc, il y a toute prise de conscience, ça, qui vous fait. Pas de problème. Ok? Pas de problème. Là, côté la lèvre, c'est un homme honnête. Mais là, qu'on y a un problème qui est plus sérieux, monsieur. Son n'est qu'à orienter, qu'à conseiller un président de la République, et qui d'accord avec que côté l'a tombé là. Ouais. On est sûr de nous. D'ailleurs, il ne fait que transmettre les messages de son pouvoir, de son président et de son gouvernement. Ça me dit de son, hein, moi, ça va, président, même, ça veut dire nommer que le président. Ça veut dire que. Non seulement, n'est-ce pas, Abdel, volume gros dossier, Dermalog, dossier Petro-Caribé, dossier Anel, Sofidaï, n'est-ce pas, à question gaz là, tout n'est-ce pas, tout fait une série de dossiers qui fait qu'on y parle tout, on n'en parle que de gaz. Mais monsieur, Cabrit, oui, mais vous parlez qui est plus grave encore, monsieur, gardez, ils ont pouvoir qu'à tout faire en classement. Monsieur Christian Mandel, nous tous qui la bonne table, comment ça nous fait? Pas que vous ne négligez pas que vous avez une vêteur à Kaili. À la rigueur, on t'aime. Lorsque vous avez une vêteur, monsieur, vous n'avez pas beaucoup de fois acheter une vêteur. Lorsque vous avez un courant pour charger une vêteur, vous avez acheté un petit Delco. Vous avez acheté un pour Wesson. Pour dire là, vous avez acheté un gaz pour mettre un Delco. Vous n'avez pas beaucoup de gaz là. Ça veut dire, monsieur, nous avons l'État, nous avons le gouvernement. Qu'a fini à la société. Moi, c'est ça qui fait d'accord parfaitement à Crispin. Seulement, m'a dit Crispin. Là où vous êtes, ou pas bien. Mon cher, n'attendons-nous les bras ouverts. Parce que, Idoyo, la paix portant pour nous. Monsieur, nous paguons l'autre ça pour nous faire, c'est combattre le gouvernement ça. Nous paguons l'autre choix, nous, c'est déboulonner le gouvernement ça. Nous paguons l'autre choix, c'est craser le système ça, le plus vite que possible. Jamouna, je ne sais pas tout pas. Bon, d'accord. Il y a des pile et comme la qui sur panel là qui fait de intervention sur question gaz là moi même intervention là on a bien deux pans la donne mon premier moment on a regardé aspect structurel là pour les mesures énergétiques là que grand pile intervention là qui allait à donner et puis on a regardé aspect conjoncturel là de façon structurelle nous connaît l'État il fonctionner sous base de politique publique et de politique qui gagne rapport avec le secteur dans vie nationale là pour les capables comment adresser par exemple là on a parlé de énergie on a parlé faut que de politique publique qui viser question énergie pour garder en termes de ressources qui ça nous gagne la caille et comment exploiter comment diminuer dépendance pays de plus en de moins en moins par rapport à l'importation produits pétroliers et dans le cas par Haïti c'est que nous gagnons l'État qui pas montré dimension ça qui pas montré que les capacités pour définir de politique publique de politique énergétique en plus de ça même question importée produits, les labdas de mode, modalités, moyens utilisés pour transporter et produits à travers des camions et la trier, tout ça a coûté à la fois un pile moyen et a gagné de coûts sécuritaires. Par exemple, dans le contexte nous aujourd'hui, chaque caïmoun qui gonti machine, gonti motocyclette, gonti galon gasoline. Nous, comme ça avait dit, c'est-à-dire, les portes du feu qui t'a pété nos quartiers là, côté pompier, pas quand même vin dans les services, nous capables d'imaginer qui quantité de dégâts ça a fait. Eh bien, l'État n'est pas arrivé à répondre à une question ça, et une proposition que nous avons fait dans plusieurs discussions nous faisons de partir à ce peuple là, c'est que nous dit, question transporter gaz là, l'État a dû jouer nos moyens pour faire des pipelines. Pour capable de sortir gaz là dès un département à l'autre sans que pas gagner utilisation de camions qui a transporté qui représentait de danger pour santé publique là. L'autre bagaille, c'est que nous en phase de libération secteur ça.
Libéralisation secteur, ça veut dire que c'est de particuliers qui je dis à cap commercialiser et je dis à qui est-ce profitable, profitable avec eux. Et tout un discours que pouvoir qu'a lié à manigancer autour de question ça, c'est comme quoi l'État subventionné question gaz là, c'est un perte pour l'État. C'est un débat comme quoi quand l'État investit ou du moins ça supporter un secteur qui amorce ou du moins ça amoindrit coût pour population, c'est un perte. C'est là qu'on est capable de dire un parent qui paye l'école petite, c'est un perte. On parle qui permet petit de manger, c'est on perd. Et démarche ça, sont des démarches pour moi-même qui sont très machiavéliques, que nous supposons analyser bien pour nous démonter le discours. Ça. Et l'autre bagaille, c'est question pétrole là, nous avons regardé dans notre dimension, comment capable faire mettre dans le pays de raffinerie, côté nous sommes capables d'importer pétrole et importer de façon brute, nous sommes capables de raffiner et le ça, ensemble, nous avons besoin de goudron, nous sommes capables de faire gaz propane, nous sommes capables de faire une série de l'autre côté, nous sommes capables de créer un emploi à tous côtés. Ce n'est pas une minorité de monde qui a importé, qui a commercialisé, qui a fait bénéfice, mais c'est capable de permettre à ce que nous anticipions l'acte. Par exemple, nous ne pouvons pas passer le dernier moment, ça, nous ne pouvons pas faire un mois, ça ne va pas être l'acte de gaz. On est capable importer la quantité en bout ou tu es capable d'adresser question ça. C'est tout ça en tenant quatre stratégies de l'État pour gérer question gaz là. Bon, question énergie renouvelable, c'est de réponse que je dis à le monde par rapport au problème réchauffement climatique, par rapport à d'autres problèmes qui liés à la question environnement, que l'État est capable d'adresser par rapport à la potentialité que nous gagnons, que ce soit dans l'eau, dans le vent, dans le soleil, pour nous être capable d'adresser question ça. Bon, ça m'a dit là, le moins non contexte, côté c'est Jovenel Moïse, c'est PHTK, c'est Chérif Abdallah, c'est bandit légal qui a dirigé, tout ça m'a dit là, c'est pas Roland Lay, parce que nous avons entré dans logique, c'est comment capable de soucier le plus possible, si ça gagne dans le pays, question énergie, question politique énergétique, question structurelle, pour adresser le problème population, fait face, c'est pas priorité. Yo. Donc, à partir de toute intervention qui fait là, en particulier représentant le pouvoir, il y a un aveu qui fait que yo dépassé par question, il n'y a pas qu'à bailler réponse à elle. Et je dis, ya, et Chile se montre comme quoi que M. Crisper, et c'est un type honnête. Mais même pas questionner, pas reconnaître, franchise liée là. Même parce que c'est une incohérence. Incohérence, c'est parce que vous faites aveu ça, de situation, ou continue à porter parole pour voir ça. Par contre, tu comprends, non, c'est pas comme ça. Non, 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 relever question ça de par histoire bah qu'on aime mais moi-même moi relever incohérence là Problème de formation sublimationnelle monio et ceci c'est système éducatif haïtien qui est responsable de ça. Toi philosophie Christophe non entendez taisez-vous. Quand les gens parlent, arrêtez de jacasser. Bref. Ouais, bon. Non, voilà. Non, non. Ouais, Jean-Jean venait la manquer, Pepe, à des gars. Jean n'a pas fait violence. Non. Nous ne pouvons pas ça dans mes crispés. Nous ne pouvons pas ça dans mes crispés. Non, débat. Côté de deux mouns qui a réfléchi, qui a discuté pour dire aux citoyens à jacasser. Et il respecte ça. Excusez. Il respecte ça que Crispé témoigne de ce tableau. C'est le même comportement, ça, pouvoir exprimer par rapport à peuple. Crispé va s'excuser. Sous violence grave qui fait ça. Il va s'excuser. Non, non, même Joseph Mel dit, après 7 jours, j'entends des peuples là. Pendant des peuples là, décision la preuve, il continue à cracher sous peuple là. Pour nous-mêmes, c'est comportement ça qui a produit. Et nous pas de quitter ça passer. Crispé va s'excuser. Crispé va s'excuser. C'est-à-dire, non, non, pas descendre dans le niveau. Pas descendre dans le niveau. C'est-à-dire, bagaille ça, il faut lever. Ou t'as qu'à quitter Joseph Michel Batelle. Non, minute. Il ne faut pas quitter la réserve. Le monde a couteau. Écoutez, mon frère. Écoutez, à mon niveau. Non, écoutez. Non, à mon niveau. Attendez, ambassadeur. Ambassadeur, minute. Écoutez. À niveau moins, on monde qui manierait, on ne va pas suivre. Ok? Parce que, il y a une formation, il y a une manierée. Donc, il y a deux confrères là, comme médecins, ils connaissent.
que là c'est pas spécialisation yo, mais on connaît l'air du monde manieré ça ça y qui dit docteur Chiver donc c'est pas pour dire toi parler pour des confort yo. Non écoutez ces jeunes là ils viennent réagir à son attitude de manieré. Bref non okay. Non,